Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un gameplay sur Broforce. Alors, déjà, bah pour commencer, ce type de jeu-là est un jeu 2D. Enfin, du moins plutôt, voilà, 2D. Alors, le même style de cube, enfin, c'est tout pixelisé et tout ça, bon, voilà quoi. Après, les graphismes, c'est pas ça qui m'intéresse, moi, c'est plutôt le but du jeu. Alors, ce jeu-là, j'y ai déjà joué une ou deux fois, un truc comme ça. Mais ce jeu est vraiment sympa quand vous avez rien à faire. Allez-y, moi personnellement, ça occupe bien, on est tranquille, peinard, tout ça. Bon, ensuite, alors le but du jeu, c'est vous manipuler des personnages. Et ces personnages-là vont devoir combattre des ennemis et un boss de fin. Et ce boss de fin vous fait terminer le niveau et vous passez au niveau suivant. Et ainsi de suite. Et vous avez différents personnages avec différentes armes. Et vous pouvez détruire des blocs et tout ça. C'est trop bien et tout ça. Bon allez, je vous laisse regarder ça avec moi. Et vous verrez bien que ce jeu est vraiment... Voilà quoi. Et nous y voilà. Voici, on est arrivé sur le jeu. Vous voyez, on peut monter sur les trucs. Voilà, on peut aussi détruire des cubes. Et voilà, comme je le disais, si vous pouvez changer de personnage, là par exemple, c'est des héros comme dans la vraie vie. Là, c'est Mister T par exemple. C'est stylé. Alors, avec la touche X, vous faites des attaques spéciales que vous voyez en bas à droite. Et avec la touche Z, vous pouvez lancer des roquettes. Et vous devez manipuler avec les flèches, bien sûr. Et voilà, vous voyez, comme je suis en train de tout faire péter. Je trouve quand même que le pauvre, quand même. Voilà quoi. Et en fait, c'est ainsi de suite. Bon, alors là, pour l'instant, on a fini le premier niveau. Et faut continuer ainsi de suite. Vous voyez, on arrive au niveau 2. Mais ouais, c'est ça que j'adore, moi aussi, c'est que vous voyez, on peut monter le genre avec un couteau, ça fait trop stylé. On lance des roquettes, on fait tout péter, on laisse rien. Voilà. Et là, on va tout faire péter avec la touche X. Voilà, tout a pété. On est des tarés, on le sait tous. Voilà. Et ça nous donne Chuck Norris. Alors lui, je trouve quand même que c'est lui qui a la meilleure attaque. Parce que... Voilà quoi. Bon voilà, je suis mort. Je lui dis qu'il a la meilleure attaque, mais bon, voilà quoi. Moi, je suis pas mieux, je meurs direct dès le début. Voilà. Ah! Et je suis encore mort. Il semblerait que... Voilà, je pourrais pas passer là. Mission faite. Et on recommence. Toujours pareil ici, on se croûte. Et voilà, c'est le truc qui pique. Regardez, on creuse. Voilà, on a récupéré Chuck Norris. Chuck Norris, là, il va faire du carnage. Attention. Ah là là, j'ai à peine me bloquer, ça m'énerve. Voilà. Voilà. Voilà, et maintenant on va lancer une grenade et regardez, on peut se mettre à l'abri. Bon, il semblerait qu'on n'a rien eu, heureusement. Alors, là on a affaire à un Warrior of the Dead, Rambo quoi. Et maintenant on a affaire, je me souviens plus de ce qui est lui, mais lui par contre il a une arme vraiment puissante, faut l'abri. Voilà, il a explosé. Voilà, là, là, là. Ils font des bruits assez bizarres, faut l'avouer, je sais. Allez, moi je fais tout péter. On est tous des tarés, allez. On fait tout péter. En plus, ils font des bruits bizarres au lieu d'attaquer ces idiots. Comme dans beaucoup de jeux. Ouf, heureusement, il reste encore un bloc. Je pourrais toujours monter. Et voilà, Jab il a pété. Et ainsi de suite. On est au niveau 3 désormais.
Et on passe au niveau 4. Ah, au niveau 3, excusez-moi. On arrive au niveau 3 et on était au niveau 2. Ça, c'est bien pour crever dès le début, ça. Et voilà, on a affaire aux kamikazes. Comme vous pouvez le voir, ils font tout péter. Alors, lui, il fait des grenades flash, il me souvient bien. Voilà, c'est ça. Mister T, avec son lance-flamme. Je peux vous dire une chose, c'est que le jeu est assez drôle, mais c'est parce que là, c'est pour le moment, c'est que le premier niveau. Et après, vous allez avoir des armées, mais... Crevez! Ah! Vous voyez, il y a du sang qui gicle, mais c'est pas permis. C'est pas des humains. Ils sont remplis de sang, on dirait. Des bombes à sang. Voilà, on lance des grenades. Il fait vraiment des grenades assez puissantes quand même, Mister T. What the fuck? Il faille crever. Voilà, il crame. On les fait exploser avec de la flamme, c'est trop fort. Alors lui, il lance des poulets et vous devez les faire péter, voilà. Il lance des poulets, tout de même. Ah, je suis mort. Comme un petit noob là. Enfin, du moins, c'est pas noob, mais bon, je suis mort. Grenade et boum! Encore une autre grenade. Et vous allez voir qu'il y a des avions qui vont arriver. Bon, ils sont en train de tout éclater, les avions, sauf où je veux. Vous voyez à gauche? Voilà. On arrive au diable. Et comme on est des tarés, on va pas finir maintenant. Quoique. Et on y saute. Et nous y voilà. Et bah, ça va bien se poser là. On doit être à peu près à 5 minutes de vidéo là, à peu près. On est déjà au niveau 3. Enfin, c'est niveau 4 maintenant. Et on continue. Allez, on lance. Wow, calme-toi, toi, petit chien-chien. Alors, je précise, cette vidéo durera à peu près 20 minutes, ou à peu près un truc du genre. Juste pour vous montrer un peu. Fuck! Vous voyez, il faut vraiment des bruits bizarres avec des membres qui volent. C'est stylé, c'est la mode. What the fuck? What the fuck? Waouh! Ça fait peur. On va coller là, voilà. C'est comme ça que tout va péter. On va lancer une poulet, enfin un poulet, excusez-moi. Et boum! Voilà, il y a des membres qui volent. Ah, mon préféré! Regardez un peu ce qu'il va faire. Ah! En fait, là, en fait, je crois qu'il a rien fait. En fait, c'est plutôt moi qui a rien fait. Du moins, plutôt eux qui ont fait les choses, sauf moi. Voilà, je les ai fait, exterminer, je les explose. Voilà, on continue à les éclater. Il faut y aller doucement dans la vie. Ce qui n'est pas le cas avec lui. Allez, il monte, il monte, il monte. Yeah. Voilà, on continue comme ça. Voilà, en fait, ils montent toute une série en fait de kills. J'avais pas à faire de kills.
Tous les kills qu'on a fait en partie, il les reproduit là. S'il est quand même. Ils perdent leur tête, ils perdent leur tête. Je suis un warrior, on est tous des tarés. On a des grenades, ça va péter, adieu. Voilà, voilà, c'est la fin. C'est la fin de The Dead. Et maintenant, on retourne avec Mr. T. Donc, si on lance Flame of the Dead là. J'ai failli crever. Un kamikaze qui m'a sauté dessus. Ah, ben voilà. Comme vous pouvez le voir, il fait des putains de sauts, ce gars-là. Et voilà. Wouah. Et voilà, je suis mort. Il a fait un carnage, mais il est mort. Toutes mes condoléances. Tu as fait la guerre, mon frère. J'adorais se poser les cadavres. J'ai du sang partout. Je sais, je suis un sadique. Oh yeah. Je sais pas ce que c'est que ça là. Qu'est-ce que c'est? On peut ramasser? Peut-être avec la touche en espace. Non, il semblerait qu'on peut pas ramasser. Regardez, on va. On peut. Voilà, on peut même. Ah non, je crois qu'on pouvait exploser nos cadavres, mais non. Des grenades, comme ça il va y avoir des avions qui vont canarder, c'est pas notre problème. Je suis dead, c'est pas grave. Je pensais que ça allait être le chien qui m'aurait bouffé, bah non, c'est carrément une putain de bombe qui me tombe sur la gueule. Alors on lance des dynamites, on adore lancer des dynamites. On fait tout péter. Ouch. 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 Ça ramasse plein de débris dans la gueule. Bizarrement, il y a deux P1. Je ne sais pas pourquoi. Il y a deux players 1, il semblerait. Il me reste encore 3 vies. On peut encore résister alors. Que la force soit avec moi. Peut-être faire des bruits bizarres, toi. Allez, on continue comme ça. Alors, on tire, on tire, on tire, on fait des trous. Des petits trous, des petits trous. Waouh, 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 doucement, là, doucement. Doucement, calme-toi, calme-toi. Wow, 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 doucement. Yeah, tant mieux. Je pensais qu'il allait être écrasé dans le mur, mais non, en fait. Regardez ce que ça va faire. Voilà, ça pète, ça pète, ça pète, ça pète. Bon, en gros, si ça continue comme ça, on y est encore jusqu'à demain. Faut tout péter, en fait. Faut péter ça et comme ça après bah. Vous voyez, ils explosent. C'est le truc en fait. Voilà, ils explosent, ils font que d'exploser, c'est fun. What the fuck? Wow, 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 doucement. Putain, ça en fait des explosions. Je sais pas pourquoi, mais je reviens en arrière hein, pour exploser un cadavre. Mais c'est un truc de ouf comment j'ai trop envie de les exploser moi. C'est quoi ça? Une tour?
On continue comme ça. Alors lui, c'est un, il est bien parce que vous voyez, il fait des visites déguisées. Mais sinon, vous voyez, il est pas taillé son arme. Sinon. What the fuck, il fait crever. Désolé mec, mais je vais pas te tuer moi. C'est lui là-bas. Allez, on continue comme ça. Voilà, il est mort. On continue comme ça. Ya, toupette. Voilà, j'ai l'effet d'artifice. Ouais, c'est quoi ça? Ah, j'ai oublié que c'est vrai qu'ils peuvent faire des ricochets. What the fuck, c'est quoi ça? Ouais, doucement là, doucement. On va le péter à la roquette. Voilà. Comme ça, il y a un joli cadavre. Ça m'a l'air de devenir difficile. Je suis mort. Ce n'est pas grave. Je suis de retour avec un autre personnage. Il va tous les exterminer. C'est devenu calme, je sais d'un coup. C'est comme ça. Ça a fait des positions de soin. Hein. Mais je trouve quand même qu'ils ont fait une petite difficulté un peu trop élevée pour ce niveau-là comparé à l'ancien. Allez. Et là, j'ai bien envie de voir tout ce qui est mort. Et bah, regardez. Ah ouais, quand même. C'est du gros que je viens de tuer, là. Et nous voilà pour le niveau 5 ou 4, je ne sais plus. Et ce sera le dernier niveau pour notre vidéo. Gameplay sur Broforce. Qui est un jeu plutôt sympathique, je trouve quand même. Je vous mettrai le lien dans la description pour y jouer. En plus, vous pouvez y jouer via le navigateur ou pas, ou le télécharger comme vous voulez. Moi, après, j'y joue par navigateur. On les crame. Voilà, comme ça. On lance des grenades. Mais c'est vraiment un jeu sympathique, je trouve. Aïe, je viens de me faire tuer. Je crois que j'aurais peut-être pas dû dire sympathique. Je dirais plutôt cool, voilà. Des voitures quand même. On se fight avec des voitures. Là, ça c'est le retour de la défaite. On recommence. Et oui, on a compris. Voilà, on pète tout. Allez, on lance des roquettes. On est tous des fous. Et voilà. La Kathleen, Monsieur Kathleen Man, on va l'appeler. Yeah. Allez, on les tue en plein air. On est des warriors. What the fuck? J'ai été repoussé en arrière. Je pouvais même pas avancer. C'est trop what the fuck là. On va demander des appuis aériens. Regardez. Stylé, hein. Voilà. Le truc est tombé dans le vide. Waouh, j'ai cru que c'était encore une fois la fin. Survivant. Ouais bah voilà, il est pas survivant longtemps le mec. Allez, on lance des fusils. J'ai cru qu'il allait me tuer. Mais... Alors, on lance des grenades dans le vide. Parce qu'on est détarré.
J'en étais sûr, je sais pas pourquoi, je sentais comme c'est pas permis qu'on commence à les crever. TNT contre TNT, ça te va mec? Voilà. Et là on aurait putain bien arrivé à la fin je pense. Ça a fait un carnage. Vous voyez, il y a du sang, il y a du sang qui vient du ciel, c'est extraordinaire. C'est bizarre, c'est un jeu quoi. Et là, j'en étais sûr qu'elle allait avoir une sorte de boss vu l'image comment c'était. Donc on va devoir prendre, espérons qu'on tombe sur genre un Chuck Norris ou un truc du genre, ou un Bruce Willis, ou un Bruce Lee carrément, même s'il n'est pas dans le jeu. Et on tombe, oh bah sur le plus puissant. Et vous allez voir. Waouh, hey, mais c'est quoi cette pince? What the fuck? Alors il bombarde, il te lance des trucs, what the fuck. Voilà, bon, moi je me suis fait éclater comme un noob. Et il faut l'avouer, là j'ai vraiment fait comme... C'est what the fuck. Et heureusement ce n'est pas un retour à début, encore. Ouais, c'est sûr, on va jouer à la roquette mec. Ouais, on va faire roquette contre roquette bien sûr si je tombe... sur quoi? Ah bon, on retombe sur le même. Celui-là, je me souviens plus ce qu'il fait son truc à lui. Ah, je vois. Alors, la première bombe, comme d'habitude, je me la ramasse. Allez, Chuck Norris, c'était le plus puissant. Ouah là là, il s'en est ramassé des trucs. Et on tombe pas sur un noob, j'espère. Bon, ça va. Ça va, ça va. N'empêche qu'on se fait canarder. Si ça continue, on pourra pas remonter. Waouh, waouh, vous avez vu ce qu'il fait le truc? On l'a eu! On est des warriors! On l'a eu! Ah, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Avec un bête d'exploit. On les a exterminés. Voilà, c'était cool. Une bonne petite vidéo comme ça, gameplay sans Broforce, un bête de jeu. Bon voilà, je pense que c'est ainsi qu'il va s'arrêter d'avoir regardé jusqu'à là. Puis sur ce, je vous dis bye à tout le monde. Abonnez-vous pour plus d'actualités. Puis un petit like me fait vraiment très plaisir. Ça me permettra, ça motivera de continuer mes vidéos. Puis voilà quoi. Bon allez, sur ce, je vous dis bye bye, ciao les gens. Et puis voilà quoi. Allez. Bisous.